Shake body. Oh, y'a mon body. Je savais pas que tu pouvais danser ensemble. Tu ne me connais pas. On y est poum poum le portier. On y est poum poum le portier. Tu sais quand on dit on y est poum poum le portier? Ça veut simplement dire renforcer. On y est poum poum. Et tu peux danser partout comme moi. Tu n'as pas. Je peux danser même n'importe où, partout. Je peux même danser dans le cimetière avec les fantômes. Au cimetière. Tu ne connais pas. Ha. Je danse avec tout le monde. Oh. Je danse dans les rêves. Je danse même avec les femmes. Avec, désolé. Je joue même avec les rufos. Je vois les bêtises. Tu me refroidis. Tu les trucs. Tu me refroidis. J'ai un body. Il y a un mot body. Moya mi moya za. Ça c'est la maison. Finalement, j'ai pris du service. Regardez-moi maintenant. L'autre, c'est une solidification totale. Allô? Allô? Ah, madame, c'est toi? Oui. Ah, tu rentres aujourd'hui? Ah, ok, non, sans problème. Ah, je vais nettoyer la maison, vite, vite. Ne t'inquiète pas. Je vais nettoyer ça maintenant. Oui, je cours faire ça vite. Ok, maman. Ok, bye bye. Madame. Voici enfin. Oh mon Dieu. Viens, viens. Oh. Mais qu'est-ce qui va pas? Ça fait juste 2 heures que nous sommes arrivés à l'aéroport de Mohamed. Et tu es en train de faire cette tête-là? Maman, je n'aime pas ce pays. Je n'aime pas ce pays. Je suis déjà en train de transférer. Dis-moi comment je vais m'en sortir. Et toi aussi, tu transpires déjà. Regarde-toi. Ah, ma fille, tu dois comprendre que la maison est le lieu où le cœur se sent à l'aise. Alors pourquoi ne te calmes-tu pas et respire l'air de l'Afrique? L'air de l'Afrique, tu dis quel air? Où est cet air? Dis-moi comment je... Malin, hein? Est-ce que tu ne pouvais pas rouler sur la terre? Hein? Tu ne jettes pas ma valise de cette façon, d'accord? Jamais plus. Sais-tu combien j'ai acheté cette valise? Est-ce que tu as une idée de combien ça coûte? Non. Non? Madame? Ya? Yeah? Désolée. Udoka. Maman? C'est quoi ça? Hors de ma vie, tête bouchée! Tu ne peux pas parler de moi. Dieu! Je ne sais même pas ce que je suis venue faire ici. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Es-tu en train de me chasser? Ne sais-tu donc pas que les esprits voyagent?
Tu y as fait 3 mois, hors de ce pays, gaspillant la richesse de ton mari, dépensant n'importe comment tout ce pour quoi il a travaillé. Mais qu'est-ce que tu as de les raconter comme ça? Et qui est supposé jouir de son héritage, si ce n'est ma fille et moi? Je suppose que c'est pour cette raison que tu as refusé de lui donner un fils. Et tu ne sais pas plaindre. Mais moi si. Quelle est la différence? Les enfants sont donnés par Dieu et je me contente de ce que j'ai. Bien sûr que tu t'en es contenté. Parce que tu es trop aveugle pour voir le futur et pour voir comment ça a été dur d'avoir tout ce qu'il avait. Quand j'arriverai au pont, je le traverserai. De quel point es-tu en train de parler, maman? Et en passant, à qui t'adresses-tu? Personne, ma fille. Je parlais juste seule. T'es sûre? Oui, je suis sûre. Ne t'inquiète pas, je vais bien. D'accord, je m'en vais boire de l'eau à la cuisine. Veux-tu que je t'apporte de l'eau à boire? Non, ça va aller, ça va. Je veux parler avec toi, Raymond. S'il te plaît, est-ce que nous pouvons parler? N'es-tu pas fatigué de parler? De la même chose. Encore, encore, encore et encore, seconde après seconde, seconde après seconde, seconde après seconde. N'es-tu pas fatigué de parler de ça? Raymond, s'il te plaît. T'as une putain! Parle plus jamais. Pétasse! Honnêtement, tu as vraiment perdu la raison. Le temps où tu l'appelais ta femme. Une minute. Non, désolé, tu as dit quoi? Est-ce de ma faute? Raymond, elle sera sûre de faire le nécessaire pour toi. Tu veux que je la traite? Tu le veux? Non, c'est loin de ça. Pourquoi tu te plains? Si tu connais la femme que tu as épousée, pourquoi tu te plains donc? Tu sais quoi? Je n'ai aucune, absolument aucune explication à te donner maintenant parce que tu es mortel et tu es censé faire ton tour de magie. Tu es supposé être dans ton nuage magique ou quelque chose dans ce genre. Tu ne devais pas. Oui. Raymond, tu es supposé te plaindre avec toute cette peine qu'elle endure. Toi aussi, les hommes comme toi sont supposés de bien traiter. Est-ce que tu sais que ta femme est un ange? Tu es supposé de bien la traiter. Ne viens pas briser mon cœur en ce bon matin. Es-tu fatigué de ronfler dans ta vieille baraque au village? Bien, cette très vieille baraque a abrité ton mari pendant plus de 30 ans et il ne s'est pas du tout plaint. Bien, je suis arrivé hier soir et je me suis dit que je devais te laisser te reposer et te voir ce matin pour une causerie. Quand est-ce allons-nous arrêter ce genre de causerie? Je ne suis pas ici pour une causerie, je dirais, éternelle. Ou alors je ressemble à quelqu'un qui a l'intention de trop bavarder. Bref, j'ai reçu le minable cash que tu m'as envoyé à cela, disons, 2 mois. C'était généreux de ta part. Minable cash? Tu dois apprendre comment apprécier les petites choses. Ce que tu fais comme boulot n'est pas négligeable.
dont tu dois apprendre à donner ce qui est consistant. Je le répète, qu'est-ce que tu attends de nous? Peut-être ce que j'ai toujours souhaité avoir. Et qu'est-ce que ça peut bien être? Mais alors, est-ce de cette façon que tu salues ton oncle que tu n'as pas vu depuis tout ce temps? Tonton, honnêtement, je n'aime pas ça, tonton. Et s'il te plaît, respecte-toi, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que tu veux commettre l'inceste? J'étais seulement chatouillé. C'est pour cette raison que tu te mets en colère? Sincèrement, je n'ai pas aimé ça. La prochaine fois que tu feras encore cet acte, tu feras face à ma mère. Et je suis sérieuse. Espèce de vieux fou. Udoka! Udoka! Oui, maman. Où es-tu? Mais je te cherche partout depuis. J'étais assise ici en train de suivre la musique avant que... Oh. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Udoka, tu vas bien? Oui, maman, je vais bien. Et pourquoi suis-tu ma fille un peu partout? Et ta fille t'a dit que je la suivais partout? Je ne peux pas être en train de suivre ta fille partout parce qu'elle n'est pas Jésus-Christ. Fais attention à ce que tu avances. Homme corrompu, que Dieu te pardonne. Amen. Udoka! Maman, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi me protèges-tu ainsi? Mais je t'ai dit que j'allais bien. Comment peux-tu dire que tu vas bien? Quand ce vieux fou qui a refusé de se marier tourne dans toute la maison cherchant qui va toucher. Dis-moi la vérité. T'as-t-il touché? Non, maman. Il ne l'a pas fait. Et qu'il n'essaye même pas de le faire. Sinon... Je vais couper son sexe et lui donner comme repas. Je suis juste surprise qu'il ne reconnaisse pas tout ce que nous avons fait pour lui. Je ne sais pas.
Bien, il n'y a que Dieu pour nous sauver de ces actions perverses. Je suis très confuse. Confuse? Mais pourquoi? Nambi est un morceau dur à croquer. Très difficile à gérer. Oui, c'est comme ça qu'il est. Maman, est-ce que tu n'as pas un plan? Parce que si oui, nous devons agir immédiatement. Immédiatement. Quand ce sera le bon moment, nous le ferons, Udoka. D'accord. Bienvenue! Comment vas-tu? Dis-moi pourquoi tu as bien une tenue aussi exposante? Tu sais que tu vas bien? Pour rien, j'ai fait ton mets préféré ce soir. Quelque chose que tu vas beaucoup aimer. Oh! Et. J'ai changé mon parfum. Tu ne l'humes pas? Vas-y, vas-y, hume-le. Hey! Hume-le, hume-le. Je l'ai fait, essayer de bien, de sentir bon, pour que peut-être tu puisses me manger la nuit. arrête. Ça monte les deux queues, c'est fini. Rien ne pourra plus jamais se passer. Donc arrête-moi toutes ces conneries que tu es en train de faire là, ça m'agace. Mais Raymond, tu appelles ceci connerie? Mais qu'est-ce qui ne va même pas avec toi? Allô? Jésus. Oui. Est-elle à la maison? Tonton Félix, s'il te plaît, pardonne à ma mère. Je suis vraiment désolée. Écoute, je n'accepterai jamais que ta mère continue à nous insulter de cette manière. De toutes les façons, nous viendrons nous installer ici. Cette maison appartient à notre frère, ton défunt père. Je le sais, mais s'il te plaît, j'ai dit que j'étais désolée. Pardonne-lui. Lui pardonner, oui. Ce n'est pas la première fois. Certainement, ce ne sera pas la dernière fois. Ah, fais-moi confiance, cette fois-ci, je prendrai soin de ça à ma façon. Je n'ai pas besoin de te rappeler. Sais-tu combien de mon argent j'ai dépensé pour ton père quand il devait voyager pour l'Europe? Eh oui. Et maintenant, qu'avons-nous en retour? C'est une insulte venant de ta mère. C'est une insulte. Ah! Tonton Félix, pourquoi parles-tu de cette façon? Mais j'ai dit que j'étais désolée. Écoute, Odoka, que tu sois désolée ou pas, nous sommes ici pour rester. Oui, on n'a même pas l'intention d'aller quelque part. Quoi? Oui. Et montre-moi même la route de la chambre. Elle est où la chambre? Quoi? Tonton Félix? Et t'as dit Félix? Je te merde. Moi aussi, je t'emmerde au double. Brousson. Bon sang! Mais où est-ce qu'il va? Tu devrais beaucoup me remercier.
Félix et Gloris. Pour les efforts que nous avons faits en cotisant de l'argent pour que ton mari puisse aller à l'étranger chercher la vie. En d'autres termes, si ton mari n'était pas mort, il serait la principale pierre de l'angle aujourd'hui. Excuse-moi, qu'est-ce qui vous fait penser que c'est votre agent futile qui l'a rendu riche? Oh, tu es en train de traiter notre sieur d'agent futile? Oui. Tu sais, je commence déjà à voir que tu as énormément du cran et tu dois faire attention parce que tu ne seras pas capable de supporter la tempête que soulèvera cette famille. Arrête ça, Nandi. Je ne peux pas m'arrêter parce que la vérité a été cachée sous l'aurore depuis tout ce temps. Et voici le moment. Et tu penses que c'est le bon moment pour parler de tout ça? Ça me déçoit venant de toi, vraiment. Regarde-toi. Est-ce que tu t'écoutes toi-même? Ok. Ok. Désolé. Où es-tu en train d'aller? Ah, où ne devrais-je pas partir? Laisse-moi aller à l'intérieur, arranger mes affaires et sortir de cette concession. Leur dire ensuite que je ne suis pas le bienvenu ici. La famille n'est pas la bienvenue ici. D'accord. Et si jamais encore? Quand est-ce que tu seras sûre dans cette vie? Dis-le-moi. Quand? Je te prie de rester loin de moi, Leila. Laisse-moi vivre tranquille. Ne me dicte pas comment mener ou vivre ma propre vie. Reste loin de moi. Voilà. Tu es morte. Ray? Qu'est-ce qui ne va pas? Et avec qui est-ce que tu parles? Tu t'adresses à qui? C'est bon. Je vais bien. T'inquiète pas. Je vais bien. Ok, bien. Ta nourriture, tu ne l'as pas mangée. Non, s'il te plaît, garde-la, j'ai pas faim. Manger n'arrangera rien. Et tu le sais. Arrête ta merde! Ray! Ray! Il semblerait que tu aimes jouer avec le feu. Je n'ai pas peur du feu. Ça, c'est la maison de mon mari. En d'autres termes, c'est ma maison. Tu ne veux certainement pas avoir pour ennemi un esprit. Éduque et moi étions légalement mariés. Alors, ce qui lui appartenait m'appartient. Sa famille t'a toujours tenu en grande estime. Comment tu le leur rends? Et comment veux-tu que je le leur rende? Quand les racines d'un arbre ont été arrachées de la terre, dis-moi, quelle est l'importance de se mettre à l'aise et de se faire belle? Affiner ma silhouette et plaire aux autres. Rappelle-toi bien de ceci, nous ne sommes pas amis. Inutile de compatir à tes peines. Tu n'as pas honte de toi-même de vouloir que je porte ma croix toute seule. Ta croix, en effet. Bonjour Hélène. Qu'est-ce que tu fais ici? Est-ce que vous savez ce que vous êtes en train de faire? Le savez-vous? Calmez-vous. Vous me demandez de me calmer? Tout ira bien. Les propriétés seront bien partagées.
et chacun aura ce qui lui a été légué. Dieu, je n'arrive pas à le croire. Et je n'arrive pas à croire que vous, parmi tous ces gens, pouviez faire ça à ma mère et moi et vous ne prouvez aucun regret. Dites-moi, combien est-ce qu'ils vous ont payé? Me payer? Oui, combien? Tu penses que je le fais pour de l'argent? Je suis simplement des instructions. Je suis le testament de ton père. Quel testament? Quel testament? Vous devriez d'abord me tuer. Je ne vais tuer personne. Oh, alors, vous êtes malade. Vous êtes vraiment malade. Vous avez perdu vos sens. Écoutez, laissez-moi vous dire. Même pas vous, même pas ces gens qui prétendent être mes oncles, auront le privilège d'arracher les biens de mon père. Pas tant que je suis encore en vie. Lisez-le sur mes lèvres, je ne le permettrai pas. Bonjour. Qu'est-ce que vous venez faire ici, monsieur l'avocat? Je suis là pour voir votre mère. Et je suis aussi là pour arranger le problème de présidence qui est sur le point de détruire votre famille. Vous et moi savons que notre dernière rencontre s'est mal terminée. Udoka, de quoi as-tu peur? Et pourquoi ne devrais-je pas avoir peur, monsieur l'avocat? Je suis là pour voir votre mère. Bien, j'espère juste que ce bon vent qui vous a mené jusqu'ici va vous aider à vous comporter cette fois-ci. Sinon... Vas-tu rester là et continuer à me regarder comme un enfant qui a perdu sa langue ou alors tu vas m'offrir une chaise? Qu'est-ce que tu fais ici? Je suppose que tu ne veux pas laisser passer les choses. Allons, je ne t'ai pas manqué. Tu n'as pas encore répondu à ma question. Pour l'amour de Dieu, tu sais que tu ne dois pas être ici parce que je suis déjà une femme mariée. Oui, je peux vraiment confirmer que tu es une femme mariée. Tu n'as pas besoin de me le dire parce que l'évidence se voit sur ta face blessée là. N'est-ce pas? Je peux le voir. Je le vois très bien. Jenny, tu n'as que 10 minutes et j'ai commencé à chronométrer. Waouh! Non mais franchement, tu as vraiment une jolie maison, hein? Mais je ne comprends pas pourquoi je n'entends pas les pleurs d'un bébé. Jenny, tu es là pour te moquer de moi? Dis-moi! Est-ce que tu vas, s'il te plaît, me dire ce qui t'amène? Parce qu'en ce qui me concerne, tu fais partie de mon passé. Ça, c'est vraiment intéressant. Que le passé soit venu te voir dans le présent. Il te reste 7 minutes. 7 minutes! Juste 7 minutes. Waouh, je te suggérerais d'arrêter de compter parce que je suis là pour rester. Quoi? Tu es en train de blaguer. Tu blagues, n'est-ce pas? Je suis là pour rester. Je t'avertis. Jenny, je comprends que tu dois exposer le but de ta visite clair et net, mais je pense pas que ce soit le bon endroit. Tu te rappelles qu'on dit très souvent que les criminels se méritent entre eux? Aline, tu n'as aucun choix. Tu es obligée de me recevoir comme une invitée et rester tranquille. Et si je ne le fais pas?
Et si je ne le fais pas, Dieu ne me punira pas d'avoir rejeté un démon comme toi. Une voleuse, une criminelle comme toi. Surveille ce que tu me dis, Aline. Je ne suis pas là pour commander quoi que ce soit. Je suis là pour prendre ce qui m'appartient. Jamais, au grand jamais, parce que je ne t'appartiens pas. Tu l'as compris? Pour l'amour de Dieu, laisse-moi tranquille. Jamais, même s'il faudrait que je rue toute ma vie. Durant 5 ans de ma vie, j'ai partagé le même lit avec toi. J'ai partagé tes parties intimes. J'ai pris soin de toi. Tu ne peux pas me laisser maintenant. Je m'en fous de ce que penseraient les hommes, ni de ce que pensera ton mari. Allez, je suis là pour rester. Parce que crois-moi, rien ne m'empêchera de faire ce que j'ai envie de faire. Ta vraie vie vient juste de commencer. Jimmy, est-ce que tu as besoin de me faire ça? Je suis déjà mariée heureuse. Et j'ai mon mari. S'il te plaît, tu dois partir. Je t'en prie, s'il te plaît, va-t'en. Bébé. Tu m'as beaucoup manqué. Non, je ne peux plus faire cela. Je ne peux pas. Dis-moi que tu n'es pas heureuse de me voir. Bien sûr que je le suis, mais... D'où vient ce bruit? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans cette maison? Non, non, attends-moi là. Ça. Tu vis ici avec des démons? Démons? Qu'as-tu ne plaise? Quel démon, non? Coucou bébé. Hey bébé. Ouais. Tu es rentré? Pardon. Très tôt. De mari? Ah. Chérie, je te présente ma cousine éloignée. Ah oui, c'est mon mari, mon petit cœur. Salut, enchantée de te rencontrer. Laisse-moi se ravir. Elle est là? Elle est belle, elle est jolie. Oui. Ma cousine m'a beaucoup manqué. Oui, c'est normal. D'accord. Elle est belle. Ouais. Elle t'a manqué. Oui, ma cousine. Elle est bien. Tu vois ce que tu as causé? S'il te plaît, je t'en prie, pars d'ici. Pars d'ici, je t'en prie, tu vas me causer plus de problèmes, s'il te plaît. Il est vraiment très beau. Tu es folle. Oui, je suis folle. Je suis folle. Bien, comme on dit, la mort est inévitable. Et on est tous appelés à mourir. Voyons. Il est vraiment regrettable que mon frère soit mort sans qu'on s'y attende. Mais nous ne pouvons rien faire à ce sujet. Si ce n'est vous consoler avec de douces paroles. Selon ce que disent nos coutumes, toute la famille Ozomoina que je représente personnellement est venu discuter pour que les choses puissent avancer. Laissez-moi corriger cette mauvaise impression. Vous n'êtes pas ici en tant que représentant de la famille Ozomena. Vous êtes ici par votre propre volonté et pour vos intérêts. Peux-tu fermer cette grande bouche, femme? N'as-tu pas un respect pour tes aînés? Ou alors vous ne savez pas qu'il est mon frère et il sera la tête de cette famille. Oh que non, cela est impossible. Cet homme ne peut jamais, je veux dire, être à la tête de cette famille. C'est ça. Par contre, je suis encore vivante. Yeah, hey. Akure.
Gairou Baka Sénégal, Gairou Baka Madagascar, Gairou Baka Maroc, nous tous via Bureau, la France pour elle. Voyez, Miss Antikandouane. Bonjour à tout le monde. Maître, bienvenue. Bonjour, ce pourquoi on t'a appelé, c'est qu'il est temps que tu ouvres tes documents et que tu lises le testament de mon mari. Calmez-vous, madame. Je vais m'expliquer. Adogo, je t'ai dit ceci à plusieurs reprises et je vais te le répéter. La paix, c'est pas quelque chose que nous pouvons combattre. Nous ne cherchons pas un vainqueur. Tu ne peux pas gagner. Comment ils peuvent? Si tu n'es pas prête à suivre les principes de la tradition, tu peux simplement aller plier tes bagages et aller chez tes parents. Madame, votre mari n'a laissé aucun testament derrière. Ce n'est pas vrai. Votre belle famille et vous... C'est impossible. Devez arranger cela amicalement. Monsieur l'avocat, vous pensez qu'elle ne connaît pas vos plans? Tu penses qu'elle sait pas ce que tu fais, que tu conspires avec eux? C'est pas ça. Et nous avons décidé de résoudre ce problème en famille, au village. Donc, nous n'avons plus besoin de vos services. Maître, vous pouvez retourner à votre bureau. Allez vous concentrer sur les autres dossiers que vous avez. Vous pouvez partir. Ça ne se passera que quand il serait mort. Monsieur l'avocat. Monsieur, comme ça. Tu vas te tenir ici et lis ce testament. Tu n'iras nulle part. Pourquoi chercher pour aller parler là? Tu n'iras nulle part. C'est pas possible. Tu n'iras nulle part. Tu vas rester ici. Tu vas lire ce testament. Tu n'iras nulle part. Repose. Je te remercie beaucoup. Vraiment, je te remercie beaucoup. Crois-moi, Dieu te rendra ça. Merci. Ça va? Laisse-moi te dire. Tu sais, je t'apprécie énormément. Tu es mon ami. Et tu sais que tes sons que tu me joues... chaque fois là. Tu ne sais pas que tu peux faire une carrière avec ça. Réponse. Une carrière? Qu'est-ce qui est amusant là, non? Quel est ce genre de proposition que tu me fais? C'est un autre perdant et un rêve qui ne se réalisera jamais. Ce pays ne nous donne pas une opportunité, une plateforme pour exprimer nos talents. Ça, c'est encore un autre casse-pied que je me cherche. Un talent gâché. Hey! Rufus, on y est pompon, le portier. Tu m'amuses. Tu sais pourquoi tu m'amuses? Tu ne dois arrêter de croire en Dieu. Ton miracle arrive bientôt. Rufus, tout ce qu'on subit là, c'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. Toi-même, tu ne constates pas que Dieu ne s'intéresse pas aux gens comme toi et moi. Je t'assure, ce type s'en fout des pauvres. Ça veut dire quoi, non? Il est juste intéressé par ceux qui ont... Prions. Tu pries comme un pauvre type, tu deviendras toujours pauvre. Par contre, les riches, ils prient, ils deviennent riches. Hey! On y a pom-pom le portier. Bien sûr. Rufus. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi me bats-tu le chemin?
Tu n'as plus rien à faire dans cette maison. Tu n'as plus rien à faire ici. Je vois que tu es malade et que tu as besoin d'un docteur. Femme. Femme. Cours. Pars. Dégage de ici avant que je ne fasse quelque chose de... Tu l'auras voulu, je mourrai de maman. Je t'avais prévenu. Quoi? Maman? Maman? Qu'est-ce que tu as fait à ma mère? Maman? 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 Qu'est-ce que tu as fait à ma mère? Qu'est-ce que tu veux? Non! Maman? Maman! Ça va. Tu as fait ce qu'il fallait. Go! Ne retrouve jamais ton chemin de retour. Et toi, calme-toi. C'est ce que nous avons toujours voulu. Je suis un maître. Ne te considère pas comme maître. Nous devons le célébrer. Nous avons maintenant tout ce que nous voulions. Ça va. Viens. Super, comme tu me l'as dit, je veux juste savoir ce que tu fais exactement dans la vie. D'accord, bien, je fais dans l'import-export. L'import-export, tu as dit? Oui. Oui, je fais dans l'import-export. Mais pourquoi ma femme ne m'a jamais rien dit à propos de toi? Mais pourquoi tu ne m'as jamais rien dit à propos d'elle? Vraiment, je t'ai parlé d'elle une fois ou alors tu as oublié? Bien, il est possible que j'ai oublié. Tu sais, regarde alors. J'ai tellement de choses dans la tête, tu vois. Dans ce cas, je pense que ce n'est vraiment de la faute de personne. Oui. Bref, je suis là pour quelques jours. Je compte rester là pour quelques jours, le temps que tout soit arrangé et que je reçoive de l'argent dans mon compte en banque avant de retourner à Paris. C'est bien. Tu
tu veux rester pour quelques jours. Oui, exactement. Oui. Non, chérie, elle peut rester pendant quelques jours. Oui. T'es sûre? Oui. Bah, super. C'est super. Ouais, c'est bien. Alors, quand as-tu visité le village? Ça devait être la dernière fois pendant la période de Noël. Mais je ne suis pas restée très longtemps à cause du mauvais environnement, les mauvaises routes et les histoires de kidnapping dont on parle souvent là-bas. Ouais, tu as raison. Tu as raison. Autant de choses. Je suis bluffée, tu sais. Particulièrement pour une fille qui vient de Paris et qui fait de l'impôt espoir. C'est pas comme un rêve. Ça, c'est bien. Ouais, as-tu marié? Oui. Non. J'ai pas marié, non. T'es pas mariée? Non. Elle n'est pas mariée? Non, pas du tout. T'es pas mariée? T'es pas mariée? Chai, hein? C'est moi que tu veux tester, hein? Hey, bébé, chut. Ah, allez, hey. Allez, on y va. Hey. Sur le chat, Oh mon Dieu, quelqu'un me voit penser que je suis fou. Les gens pensent que je suis fou, ils savent pas que je suis pas fou. Aïe, allez, faisons ça. On peut encore le faire. La fille est dangereuse. Le gars. J'ai tout trop fort. On prend des monnaies, dit ma nanénie. Non, y'a. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que tu veux arrêter de parler à mon mari? Tu veux arrêter? Qu'est-ce qu'il va pas? Qu'est-ce qu'il ne va pas avec toi? Arrête! Ok. Je pense que tu préférerais que je lui dise qu'on veut se marier. Je te tuerai même avant que tu me le dises. Ou peut-être vais-je dire que nous avons un enfant à Paris qu'on a adopté. Jimmy, je commence déjà à avoir marre de toi. Est-ce que tu vas arrêter de me rappeler le passé? Est-ce que tu vas arrêter? Hé, ma fille. Oh? Alors, ai-je manqué un épisode? Non, rien du tout. Oui. Pardon? Jimmy? Attends, je m'assois. Hey! Rien! Dis-moi, qu'ai-je manqué? Rien de sérieux, il y a juste quelque chose que j'ai entendu comme ça. Alors, vas-y, dis-moi. Jenny. Alors, vas-y, dis-moi. Où est ton respect? Vas-y, dis-moi. Tu sais comment ça marche. Si je tente quoi que ce soit, je m'occuperai de toi. Et tu sais de quoi je suis capable. Dis-moi. Qu'est-ce qui te tracasse? Tu sais que tu peux te me dire. Elle disait que. Que. Ouais. Qu'a-t-elle dit? Que.
Que quoi? Que quoi? Que tu es le meilleur homme au monde. Putain, vous êtes bien foutu de moi là. Je ne verrai plus jamais ma mère. Quelle est cette jolie voix? Tu as une très belle voix. Merci. Tu chantes comme mon ami Eboubé, le connais-tu? Eboubé? Tu le connais? Non, non, je ne le connais pas. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me donner un peu d'eau à boire? Juste de l'eau? Oublie ça. Ogné Poum Poum, le portier, te donnera plus que de l'eau. Attends, tu as besoin de la nourriture, n'est-ce pas? Ça me fera aussi du bien si vous me donnez à manger. Oh, viens là! Ouais, bien sûr, c'est pas un problème. Ok, à plus tard. Top. Top. Lady Di, Lady Di. Top. Ça te dit quoi, mon maman? Bonjour, oncle Thomas. Comment vas-tu, Bola? Bien, merci. Ok, Bola. Tiens ces 5 000 et achète tous les ingrédients dont tu as besoin. J'espère que ce sera assez. Je peux pas, ma. Hein, débrouille-toi avec. Ok, maman. Alors, qu'est-ce qui t'a entraîné dans mon territoire ce matin? Tu sais bien que tu as encore une dette envers moi. Je veux connaître qui tu es. Qui es-tu? Une belle fille qui se balade dans les rues comme ça. Qui es-tu? Tu t'appelles comment? Ton père s'appelle comment? Ta mère s'appelle comment? Tu sors d'où? Où est ton village? Toutes ces questions pour moi seule. Voyons, je ne suis pas dans une salle d'examen. Ok, je vais aller doucement. Tu t'appelles comment, hein? D'accord. Je m'appelle Odoka. Odoka. Qui est ton père de? Je n'ai pas un père. Tu dis quoi? Tu n'as pas de père. Qui est ta mère? Je n'ai pas aussi une mère. Tu es d'où? Quatre. Je ne sais pas d'où je viens. Tu n'as pas de mère. Tu n'as pas de père. Tu n'as pas de frère. Tu n'as rien du tout. Tu es juste venu. Ok. Tu vas encore manger? Non, merci. Je vais bien. Je ne suis plus une mendiante. Gars, ne mens pas. Pourquoi tu m'as d'abord alors supplié pour que j'aille? Tu ne m'as pas supplié pour que je te donne de l'eau à boire. C'est moi le mendiant. Attention, on y est poum poum le portier. Je sais ce qu'il fait. Mais c'est quoi? Comment tu peux dire ça? Attends, Thomas, mais où est-ce que tu as ramassé ces filles? Maman, je ne les ai pas ramassées. J'ai trouvé ces filles en train de traîner dans la ville. Incapables et sans aide. Tu sais quoi, elles sont prêtes à faire le voyage. Ces filles, c'est du bon argent pour nous, maman. Regarde-les, elles sont bonnes. Mais elles sont très jeunes, elles sont mineures. On appelle ça détournement de mineurs. Maman, ces filles, ce n'est pas une affaire de détournement de mineurs. Ce sont des filles, non, regarde les formes, non, maman. Regarde l'argent, regarde l'argent, regarde l'argent. Oui. Quel âge as-tu? J'ai 17 ans. Je suis entre 17 et 18. Toi, non, maman, regarde. C'est le détournement de mineurs. Elles sont en dessous de l'âge. Mais. Pardon, je lave mes mains dans toute cette macouille. Nous ne sommes pas vierges, madame. Nous ne sommes pas vierges. C'est vrai, maman. J'étais déviée à 12 ans. Mon père m'a sexuellement agressée et il m'a déviée quand j'avais 14 ans. Et je suis tombée enceinte de lui. J'ai enlevé 3 grossesses de mon ex-petite amie, entre 15 et 16 ans. Donc, il n'y a plus rien à cacher. Vos différentes histoires sont pathétiques et bizarres. Elles maman, ont des chambres maman, accueillantes. Maman, regarde. Maman, regarde. Moi aussi, je suis confus, mais regarde ces filles, mais maman, regarde, non. Maman, madame, s'il te plaît, pardonne-nous, s'il te plaît. Madame, s'il vous plaît. S'il vous plaît, madame. Calme, il faut attendre. Maman, attends leur chance, non.
S'il te plaît, hein? Donne leur chance. S'il te plaît. Bien, on se voit tout à l'heure. Chérie, je me demandais si on ne peut pas faire un peu avant que tu en sortes. Fais quoi? Non, arrête. Je sais pas du mal à faire ça. Je suis avec toi. Hein? T'es ma reine. Aime-moi pute. Chérie, qu'est-ce que cela veut dire? C'est déjà arrivé à ce niveau? Mais qu'est-ce que tu racontes? Oublie ça. Oublie ça. Je sais pas là pour le faire avec toi. Ouais, salut. Ouais, je vais bien. On se voit dans 10 minutes. Disons dans 10 minutes. Oui, d'accord. Ok, cool. Bien, d'accord, on se voit. Chérie, j'ai envie de toi. S'il te plaît. Ça me écoute. Je crois que tu n'as pas compris. J'ai pas envie de toi. Et ça craint d'ailleurs. Tu y as quoi? Comporte-toi. Mais... Tu es stupide? Ah, on y a pompon. Mais là, il est pompon pour le portier. Un grand portier comme moi. Pourquoi tu laissais mon portail à piéton ouvert? Pardon? J'ai dit, de quel droit as-tu osé laisser mon portail à piéton ouvert? Ok. Réduis ton le français. Le petit portail, le petit portail. Le portail passager, portail passager. Que faisais-tu avec cette cuillère et ce plat? Je voulais... Bon après-midi, monsieur. Oh. Oui? Qui êtes-vous et que faites-vous ici? Que fait-elle ici? Monsieur? J'ai dit, qu'est-ce qu'elle fout ici? Elle est venue faire quelque chose, Oga! Mais c'est pas vrai! Elle est mon amie! Elle est venue et elle va repartir! C'est pas vrai! Je me suis... Ma femme! Maintenant tu ramènes tes amis dans mon domicile familial? Tu déconnes, t'es stupide ou alors bête? Oga, je l'amène dans la maison familiale parce qu'elle a des problèmes familiaux. Bébé, qu'est-ce qui te tracasse? Alors, qu'est-ce qui te met là? Arrête! Ne me touche pas! Ne me touche pas! Pourquoi? Bébé, alors tu peux te... Chini, arrête! Arrête ça! Je t'ai déjà dit plusieurs fois que je n'ai plus envie de me retrouver dans cet acte. J'essaye de donner vie à mon mariage. Tu ne comprends pas? Tu essayes de donner vie à ton mariage? Attends. Hélène, cela signifie-t-il que tu n'as jamais bien tenu ton rôle de femme? Alors laisse-moi te dire ceci. Tu as réussi à faire de ton mari un infidèle invétéré. Oui, tu as réussi à faire de lui exactement ce qu'il est aujourd'hui.
que cela veut dire? Alain, cela signifie que tu es fini. Ça signifie que tu as perdu. Ça signifie que tu l'as perdu. Ça signifie que tu as tout perdu. Ça signifie que tu dois commencer depuis le début. Est-ce que tu comprends ça? Tu comprends? Tu comprends? Ça, c'est si tu n'as pas bien joué ton rôle en tant que femme. Oui, tu as tout perdu. Lui, hein? Que fais-tu ici? Que fais-tu ici? Je te demande ce que tu fais ici. Que fais-tu dans ce domicile familial? Monsieur, s'il vous plaît, je vous en supplie. Aidez-moi. Écoutez-la. S'il vous plaît. Mais que se passe-t-il ici? C'est même la question que je suis en train de me poser. Si tu dis encore un mot, je te défonce la gueule. Je ne suis pas là pour écouter tes stupidités. Pourquoi ne m'as-tu pas demandé de l'aider? Dis-moi, est-ce seul domicile? Est-ce seul domicile qu'elle a vu dans cet environnement? Ou certainement tu as décidé d'en penser que ta stupide putain de tête? Hein? Oh, nye poum poum. Debout. Debout. Viens de ce côté. Tiens là. Viens de ce côté. Non, tu la fermes. Monsieur. Viens par là. Que voudrais-tu que je fasse pour toi? S'il vous plaît, monsieur. S'il vous plaît, aidez-moi, s'il vous plaît. S'il vous plaît, aidez-moi, monsieur. S'il vous plaît. S'il vous plaît, aidez-moi. S'il vous plaît. Excuse-moi, Laura. Attends, non. Petit. S'il vous plaît. Ferme-tu la ferme, d'accord? Fais très attention avec moi, d'accord? Aidez-moi. Monsieur, méfie-toi, monsieur. S'il vous plaît, monsieur, aidez-moi, s'il vous plaît. D'accord, très bien. Tu n'as pas... Mais pourquoi se mettre là sur moi? Oka. S'il vous plaît, monsieur, aide-nous. Aide-nous. D'accord, donne-moi un instant. Debout. Va appeler ma femme. On y a pour le portier. Madame! Voyons, attends, mais tu me fais croire que c'est le seul domicile que tu aurais vu dans les environs pour faire ton intrusion? Ah, mais pourquoi tu es venue ici? T'as séché avec la musique? T'as promis que tu deviendras une actrice ou alors une musicienne? Pas du tout, non. Il te l'a pas dit? Non. Il t'a dit que tu deviendras célèbre comme Whitney Houston? Non, monsieur, il ne m'a rien dit de la sorte. Ou tu l'as simplement trouvé très beau? Non. Dis-moi que tu n'aimes pas ça. Dis-moi que je ne t'ai pas manqué. Je serai toujours là pour toi. Je serai toujours là pour toi, bébé. Ouais. Juste laisse-toi aller. Fais-moi confiance, d'accord? Juste. Rufus! Hello. Rufus! Madame, ne sois pas navré pour moi. Je compte le plafond. Je vois le plafond. 40, 50. Je ne sais même pas ce qui ne va pas chez moi. Oh, Dieu. Madame Dieu. Oh, qu'est-ce que tu dis même? Je suis aveugle quoi. Qu'est-ce que tu dis même? Madame, ne te fasse pas, c'est que j'ai vu là qui me rend fou comme ça. Hey, Dieu, tu vois. Hey. Rufus. Hey. Madame, où es-tu? Rufus, qu'est-ce que tu fais ici?
Maman, je ne sais même pas ce que je fais ici. Ce que je fais, c'est quoi? C'est à quoi je pense? Madame, c'est juste que... Hey, madame, je n'ai rien vu. Je n'ai rien vu, c'est l'épilepsie. Les gens font l'épilepsie. L'épilepsie comme là, à coup quoi. Tu es supposé être ton poste de service. Qu'est-ce que tu fais ici? Oh putain. J'espère seulement que tu vas fermer ta sale gueule là. Madame, je n'ai rien vu. C'est juste que Oga est déjà là. Quel patron? Ta femme. Désolé, ta petite amie, ton Oga. Pardon, mon Oga. Ton Oga, mon Oga. Il est dehors. Il t'appelle. Ton Oga, mon Oga. Rufus, tu es stupide. Madame. Tu es très stupide. On y a pompom, c'est quoi ça? Tu es très, très stupide. Maintenant, sors. Va-t'en. Oui, oui, madame. Madame, mes yeux. Sors! Non, mais tu imagines ça? Oh, y'a pompom! Hey, hey, c'est quoi ça? Tu t'imagines? Oh, putain! Qu'est-ce qui se passe ici? Je pensais que tu étais sorti. Je ne suis pas sorti. J'étais là à parler à cette détroquée. Debout, debout. Qui est cette... L'invité de... Ruf ou sa petite amie ou quelque chose comme ça. Rufus. Ma. Tu as amené ta petite amie dans ma maison? Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça, ma. On y a poum poum, le portier ne peut pas faire ça. Je m'appelle Odouka. Je viens juste de faire la connaissance de Rufus. Je n'ai pas une maison ou quelque part où aller. S'il vous plaît, madame, hébergez-moi. Debout, lève-toi. Hébergez-moi. Habillez-moi. Donnez-moi à manger. Et puis je ferai tout ce que vous voulez. Ça va, tenez-le, t'abrité, tenez-le, machin, tenez-le, tiens, c'est comment? Tu vas bientôt demander qu'on te donne l'autre. Tais-toi! Tais-toi! Maintenant tu comprends la gravité. La connais-tu depuis longtemps? Je pense pas. Tu t'es servi de ta tête, de ton entêtement et ton raisonnement stupide pour l'introduire dans cette concession. C'est bien ça? Et maintenant t'es celui qui se plaint. Hein? Tu te plains parce que tu comprends maintenant la gravité. Pardon, mon problème c'est qu'elle va bientôt m'arracher mon travail de portier. Donc tu ferais mieux de partir de là où tu viens. Tais-toi! Bébé, je pense que tu peux rester. S'il te plaît, toi! Tu as dit que tu peux faire n'importe quoi. Oui, madame. Ça sonne comme une personne qui est très désespérée. Oui, c'est pour ça que je dis que c'est bon. Elle peut rester et travailler pour nous. Qu'en penses-tu? En tant que... Oga, écoute ta femme, pour une fois. La voix de la femme est le début de... Est la voix de la sagesse. Ferme-la. Elle a dit... Désespérée, écoute-la. Elle est désespérée. Qu'as-tu dit? Écoute ta femme. Oh, maintenant tu me donnes des leçons sur le mariage, c'est ça? Tu commences à me dire comment et pourquoi vivre et écouter ma propre femme. J'ai finalement pu comprendre pour la première fois tes conneries. Tu vois, tu as utilisé tes propres mains pour faire venir ta copine. Si ça ne marche pas demain, elle regagnera très certainement la rue. Vraiment? Oui. Pas de chez nous. Je te vois venir. Je te vois venir. Pas de chez nous. Tu la fermes. D'accord. Ok, je ne suis pas à l'aise avec la fille là. Donc. Pardon? Je suis plus à l'aise avec elle. Ferme ta bouche. Amara, Ego, voici vos collègues qui vous ont précédé. Comme vous pouvez le remarquer, certains ont déjà passé 5, certains 7 et même 10 ans ici. Ils vous ont précédé, alors vous avez à leur donner le respect. Me suis-je fait entendre? Oui, maman. Madame. Il faut venir. Il ne suffit pas de dire oui, ma, n'est-ce pas? Vous devez être ici très tôt le matin. Vous devez venir dans ma chambre, en fait, notre chambre, la laver.
puiser de l'eau. M'avez-vous suivi? Et également, vous devez veiller à puiser de l'eau dans toute cette concession. Parce que comme vous me voyez là, hein, j'aime nager dans l'eau comme le poisson. Et ça, je le fais au moins 5 fois par jour. Pas seulement ça, est-ce que vous l'écoutez? Vous voyez comme nous sommes là, nous vivons comme une famille. L'unité. Uh-huh. Et nous faisons une contribution par semaine de 2 000 naira. Et nous prenons cet argent pour prendre soin de nous ou nous acheter des gâteaux d'anniversaire. Oui. Une fois dans un mois, nous allons nous amuser dehors. Uh-huh. Est-ce que vous écoutez très bien ce que je dis? Chiffre, est-ce que vous m'écoutez? Dans les chiches, là, on n'en veut pas par ici. Exactement. Elles vous ont précédé. Vous leur devez du respect. D'accord, madame. Me suis-je fait entendre? Oui, madame. Allez, je vais vous emmener rejoindre les autres filles. D'accord, madame. Désolée. Je suis désolée, madame. C'est bon, ça va. Tu peux te rasseoir. Raymond, tu as osé la toucher? Oui, maintenant. C'est ta patronne. Elle te respectera et... Tu la respecteras. Oui. Hein? Oui. Donc. D'accord? Raymond! Détends-toi. Je vais sortir maintenant. Où vas-tu? T'ai-je pas dit que je devais sortir tout à l'heure? Et j'ai été probablement retenu par la visiteuse. Détends-toi. Pourquoi tu trouves ça si difficile de me rejoindre au lit? Ginny, je t'ai dit que je ne suis plus intéressée, n'est-ce pas? Mais tu as toujours été celle qui évoquait cela. Souviens-toi qu'on était à Paris. Bien, Ginny, ici c'est pas Paris. Ici c'est le Nigeria. Est-ce que tu sais pourquoi j'ai quitté Paris pour le Nigeria, tu sais? Est-ce que tu as jamais demandé? Je vais te le dire. J'ai quitté Paris pour le Nigeria parce que je voulais une vie. Je voulais mettre de l'ordre dans ma vie. Mener une bonne vie. Et que m'est-il arrivé? Pourquoi suis-je partie? Trouve-toi un homme et stabilise-toi. Facile à dire. Ginny, s'il te plaît. Hélène, combien de temps vas-tu continuer à me résister?
ce que Jésus revienne. Oui. Je vais bien, monsieur. Ah, mais putain, tu es très belle aujourd'hui. Merci, monsieur. Écoute, je veux plus que tu m'appelles monsieur. D'accord? Tu peux m'appeler Raymond. Ça ne me dérange pas. Je préfère vous appeler monsieur parce que présentement, vous êtes celui-là qui s'occupe de moi. Oh, vraiment? D'accord. C'est d'accord. Prends-le. Bien, je veux que tu ailles nettoyer dans ma chambre tout de suite, d'accord? D'accord, monsieur Raymond. Vas-y tout de suite, fais très bien, d'accord? D'accord, je m'en vais le faire. Je n'ai jamais prévu ça. Savez-vous combien de temps ça m'a pris de préparer ce concert que vous venez de gâter? Savez-vous? Je vous le demande, les filles. Savez-vous combien de temps ça m'a pris? Savez-vous? Nous sommes sérieusement désolés, monsieur. Oh, désolé. Vous êtes désolés, les filles. Alors, c'est désolé que je reçois pas 2 heures de préparation. Boss. J'ai attendu tout patiemment pour ceci. Mais regardez comment vous m'avez fait échouer. Boss, pouvez-vous vous calmer? Nous n'avons encore rien perdu. Et puis, ma cliente a de la considération pour les Américains, les Européens, et puis tout ça. Et de quoi est-ce que tu parles exactement, Bennett? Fina et Tina sont les meilleures voix que le public n'ait jamais entendues. C'est juste quelques petits soucis de pratique. Je pense que nous arrivons vraiment à le faire. C'est ce que je pensais, nous allons vraiment le faire. C'est vrai, on n'a pas encore perdu. Ne vous inquiétez pas, ils vont vous appeler oui. Monsieur. Que tu me fermes ta sale bouche là. Qui a demandé ton opinion? Désolé monsieur, ils vont savoir m'appeler. Vous êtes désolé? Vous êtes désolé? Oui, Raymond. Ouais. Je voudrais que tu saches. Hein? Oui. Je voudrais que tu saches. Que. Je voudrais que tu saches. Oui, monsieur. Bon après-midi, madame. Qu'est-ce que tu fais avec cette fille? Tu es supposé être au salon.
je te pose une question. Quoi? Qu'est-ce que tu fais avec cette fille? Comment? Pourquoi tu dis ça? N'ose pas! Hein? C'est arrivé à ce point. Comment peux-tu dire ça? Ça, c'est la vengeance! C'est arrivé à ce point, alors comme ça, tu n'as plus de respect pour cette histoire. Tu n'as plus de respect pour ça. Alors maintenant, tu couches avec tout le monde. Tout le monde qui porte une jupe. Tu n'as même pas de respect pour moi. Moi, ton épouse, tu n'as même plus de respect pour moi. Donc, c'est ce que tu fais, Raymond? C'est ça, Raymond. Une fille que nous ne connaissons même pas. Une fille que j'ai acceptée, berger. C'est ainsi que... Fais attention, tu es supposé être savant. Ogne pom pom, ogne pom pom, le portier. Donc c'est maintenant toi qui es dans cette cuisine. Donc finalement cette cuisine n'est plus occupée. Personne n'occupe la cuisine et la cuisine n'occupe personne. Hein? Odoka là, même, Odoka est où? Je sais que Oga est en train de travailler son tin bon, maintenant là, dans la chambre. Ogne pom. Le portier. Oh, yo, pom pom. Yeah, Jésus-Christ. Rufus. Hein? Rufus, qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais ici? Je ne sais pas ce que je fais. Tu ne sais pas ce que tu fais? Rufus, est-ce que tu peux nous excuser? En tout cas, où est la personne avec qui tu pars? Où est-elle? Parce qu'elle n'est pas dans sa chambre. Où est-elle? Tu viens demander... ok, tu veux dire... Achao? Elle est où, non? Elle est où? Rufus, tu me demandes où elle est? Alors, tu es malade? Oh, y'a pompo! Prends ça par la foi. Oh. Rufus, est-ce que tu peux nous laisser seul? Oui, mais elle va me laisser. Rufus, sors d'ici. C'est Odoka que tu appelles prostituée? Est-ce que tu en es différente de cela? Dis-moi. Ellen, tu t'inquiètes beaucoup trop. Pourquoi? Jenny, j'ai le pressentiment que quelque chose va se passer. Je n'arrive pas à le cerner, mais j'ai ce pressentiment. Raymond? Raymond, oui. Jenny, je ne suis pas prête à perdre mon mari maintenant. Je ne suis pas prête. Ellen, tu es ici dans ta maison, c'est Raymond. Es-tu la seule femme mariée dans ce monde? Bien. Si tu veux garder ton mari, alors fais ce qu'il y a à faire pour ça. Arrête de déranger les gens. Hein? Excuse-moi. Odoka! Odoka! Je suis sûr qu'au plus profond de vos cœurs, vous connaissez la vérité. Excusez-moi. Oui, allô? Oui, c'est Alex. Le CEO de AX Record. Non, c'est impossible. Écoutez s'il vous plaît. Il y a quelque chose que vous pouvez encore faire pour ça. Essayez juste de faire quelque chose pour moi s'il vous plaît. Je vous en supplie. D'accord, tu m'en vends la semaine prochaine. Ok. S'il vous plaît, je dépends de vous. Ne me décevez pas. Ok, merci. Ça dit quoi, boss? Y a du nouveau? Oh, toujours pour parler. Mmh.
c'est moi. Leila. Maintenant, je sais que tu aimes la compagnie des fantômes. Maintenant, tu le sais. Pourquoi est-ce que je n'aime pas la compagnie des fantômes? Peux-tu maintenant partir? C'est bon. Alors, dis-moi, est-ce que tu te plais dans ta maison? Yeah. Ma nouvelle maison est bien. Bien, tout va bien, vraiment bien. Oui. Raymond, tu sais que tu ne peux pas me mentir. Tu le sais, n'est-ce pas? Tout ce que je sais, c'est que tu es un fantôme et que tu n'as rien à faire avec le vivant. Donc, je vais bien, merci. Il y a quelque chose qui ne va pas avec toi et je le sais. Mais la question est, pourquoi tu ne cherches pas une attraction? Pourquoi est-ce que tu me dis? Je ne comprends pas. Raymond, tu cherches toujours à blesser quelqu'un. Je veux dire, ceux qui mettent leur confiance en toi finissent par se heurter. Raymond, tu m'as blessé très mal. Et je ne vais jamais, jamais te pardonner. Et ma prière est que tu ne trouves pas de paix. Pourquoi penses-tu ce genre de choses de moi? Pourquoi fais-tu ce genre de prière contre moi? Je pensais que tu étais un fantôme et supposé être aux côtés de Jéhovah. Tu es supposé traîner aux côtés des autres fantômes ou je ne sais quoi pour vous rendre au ciel. Alors c'est quoi ton problème? Après que tu aies tué mon enfant innocent, après que tu aies détruit ma vie, tu as détruit ma vie. En même temps, c'était aussi mon corps. C'était aussi mon calvaire que j'ai vécu avec toi. Nous sommes tous deux concernés. D'accord? Nous sommes tous les deux impliqués. C'est moi qui ai pris l'initiative de faire savoir que tu l'as fait. Je me suis excusé plusieurs fois et je t'ai demandé pardon. Alors pourquoi est-ce que tu me détestes autant? Tu peux me le dire? Raymond, tu as tout perdu. Premièrement, tu dois te railler. Raie ta famille et raie ceux qui sont autour de toi. Je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que tu me le dis? Que voudrais-tu que je fasse? Hein? Pourquoi me demandes-tu de me détester? Dis-moi, que voudrais-tu que je fasse? Hein? Après tout ce que je viens de te dire, qu'attends-tu que je fasse? La récompense. Pardon? La récompense. Je veux que tu les laves proprement. Et s'il te plaît, n'utilise pas n'importe quoi pour laver mes habits. Et d'accord? Même pas le détergent, je préfère le bon savon. Sur mon cadavre. Vraiment? Comment? Je ne peux pas laver ces habits. C'est quoi cette façon de me tenir tête? Hein? Est-ce que ça va dans ta tête? Bref, je n'ai pas le temps pour les villageois de vos respects. Hein? J'espère que mes instructions ont été claires. Prends ça, n'importe quoi, idiote. Et s'il te plaît, je voudrais que tu laves aussi ça. Hey! Mon sang est sucé. Hein? Et je veux que tu laves très bien. Ça, c'est même quoi ça, non? Je ne peux pas laver ces habits. Je ne peux pas toucher les sous-vêtements d'une femme. Mais, je ne peux pas utiliser. Te plaindre là? Je ne peux pas utiliser mes mains pour toucher ces. Ça va, je ne peux pas. On va laver, d'accord? Toi, qui, moi? Oh, je vais laver. Tu ferais mieux. Je vais laver. S'il vous plaît, ne bagarrez pas, pardon. Bagarrez. Bagarrez avec cette chose. Je ne vais plus jamais laver mes habits. Ça va, calme-toi. Ne me dis pas n'importe quoi. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tu es. Si tu n'étais pas mon ami, je te donnais un coup de poing au visage. N'importe quoi. Amala! Laisse-moi tranquille. Mais où tu t'en vas? Amala! Hey! Renforce, mon gars! Ebouscule! Ma personne sûre! Ebouscule! Hey! Ebouscule! Tu étais où, non? On y a Pompom le portier. Mais je te vois. Sur les lieux. Je vois seulement comment tu portes. On y a Pompom le portier. Et dans les parages. On y a Pompom le portier. Il est dans les parages. Oh. Dis-le encore. On y a Pompom. Tu m'envoies au champ. Je n'en vois personne. Non, je t'assure. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je t'ai pas vu hier soir. Il y a quoi, non? Man, c'était dur, grave, hier. Yeah. Il y a une inondation au niveau du pont. J'étais obligé d'aller dormir au garage, man. Tu as dormi au garage? Mmh. C'est toi qui veux souffrir, non?
quand je suis là, tu pars dormir au garage, tu souffres. On y est poum poum, le portier étant là. Rufus, Rufus, j'apprécie vraiment ce que tu fais pour moi. C'est vrai que c'est difficile pour moi tous ces derniers temps. Je vois noir. Mais ça ne me dérange surtout pas d'aller dormir dans un garage. Non, man, tu peux toujours venir, non? Viens si je suis là. Hein? Ça va, je suis quand même en vie, mais j'ai faim. J'ai gardé ta nourriture, c'est là, je t'ai réservé ton truc. Ogné pom pom! Ogné pom pom, le portier doit te nourrir. Ogné pom pom! Une condition. Une condition? Dis-moi que dès que tu as fini, Marianne, tu vas être de là. Tu vas me chanter tes sons là, tu vois. Que je bouge un peu, tu vois. Tu tes sons là. Que je bouge un peu le corps. Viens, n'importe quelle condition. Tu vas danser. Dès que je finis seulement de manger là, tu vas voir, tu vas danser. On y est poum pour le portier. On y est poum pour le portier. Toi le plus fort. La chanson que tu aimes là, c'est à réserver. Dès que je finis seulement de manger, tu vas voir. Qu'est-ce que j'attends, non? Te voilà, me voici. La nourriture est là, non? On y est, boum, boum. Mais ouvre cette porte de... Je te fâche pas. Superman. Bon, je n'ai pas su que c'était toi. Tu es vraiment un idiot, est-ce que tu le sais ça? Bon, je m'en demande chez moi. C'est qui cet homme? Ne t'inquiète pas. Ne prête pas attention à ce que tu dis, c'est rien. Allons-y. Bon, tu veux que je me lève? Non, mais regarde comment tu es là-bas. Quelqu'un d'idiot. Ne prête pas attention. Viens avec moi. C'est ta maison. Sois la bienvenue. C'est notre maison. Ça, c'est vraiment ta maison? Oh mon Dieu, je t'aime, bébé, je t'aime. Tu vas aimer, alors. L'amour! Tu vas aimer! Entre! Non, mais c'est un très bel endroit, je t'assure. Je te dis que tu vas aimer la maison. Tu peux visiter partout. Ouais, je t'aime. Alors, ça te plaît? Carrément. C'est vraiment très beau partout. C'est vraiment très beau. Ah. Et même l'autre là, c'est très beau. Tu peux t'asseoir. Surtout sans toi, laisse. C'est très beau. C'est très beau. Cette très maison, beau. C'est la maison de mon oncle. Wow. Tu sais que je t'aime, bébé? Je t'aime moi aussi. Tu es la bienvenue. Ceci se passe dans la maison de qui? Mon frère, cette fille, c'est Laura, ma fiancée. Laura, lui, c'est mon grand frère, Nanti Ozomena. Waouh! Ton frère est très beau. Garde tes salutations pour toi. Philippe, pourquoi te permets-tu d'amener une minable fille dans cette maison, dans cette concession? Je t'ai mal entendu, peux-tu te répéter? Mon frère, cette fille, Laura, la fille que je vais épouser, c'est à elle que tu t'adresses comme ça? C'est la femme que tu veux épouser. Et elle trouve tellement génial de se retrouver dans un château. N'as-tu pas, veux-tu pas? La ferme! N'as-tu pas de classe? N'as-tu pas de goût? Mon frère... Dégage de ma vue. Grand frère, qu'est-ce que tu dis? Je ne veux plus te voir. Laura! Je... Grand frère! Laura! Je t'ai eu. Que Dieu te punisse, sûrement que tu es testé. Hein? Oh! Regarde-moi celui-ci. Regarde-moi celui-ci. Pardon, regarde le portail là. J'ai dit, viens ici. Hein? Je te dis, si tu es fou, ma folie dépasse ta folie. Hein? Pardon, ouvre-moi le portail. Ouais, que j'ouvre le portail, il fallait me dire, non? Hein? Laura, s'il te plaît, s'il te plaît.
Je suis désolé. Qu'est-ce que tu veux? Oh, s'il te plaît. Moi, je ne veux plus de toi. S'il te plaît. S'il te plaît. Moi, c'est ta maison si tu veux. D'ailleurs, je ne pose mes pieds ici. Laura, après le fait que ton frère m'ait insulté et m'a appelé fille de la rue. Je ne veux plus rien avoir à faire avec toi jamais. Même si tu veux, je ne veux plus. Laura, ne t'occupe pas de mon frère. Je suis désolé. D'accord? Je suis désolé. Tu sais quoi? Tu devrais t'apprêter à être un homme. Laura, tu sais où est-ce que tu m'as rencontré avant? Laura, je n'ai pas faim, d'accord? Laura, alors laisse-moi tranquille. Laura! Il m'a botté l'osso. Te le demander, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que cela veut dire? Tu ne m'as pas trouvé. Oui. Tu as une forme très méchante. Que quoi? Tu as une forme terrible. Ray! Chut! Tu n'as aucun respect. Tu n'as aucune valeur. Tu n'as absolument aucune notion du mariage. Ne connais-tu pas la délicatesse du mariage? Tu es sans cœur! Tu es effroyable! Tu es tout ce qu'il y a de mauvais! Après, qu'est-ce qui est en train d'arriver? Qu'est-ce qui ne va pas? Qui es-tu pour moi? Dis-moi, qui es-tu pour moi? Qui es-tu pour moi? Qui es-tu pour moi? Dis-moi, qui es-tu pour moi? Je suis ta femme! Es-tu vraiment ma femme? Oui!
Ma femme. Connais-tu le rejet de femme? Connais-tu le rejet de femme? Tu n'as absolument rien pour moi. Tu n'as rien pour moi. Juste une petite profiteuse qui a. Tu ignores ce que ça fait qu'un homme soit rejeté par une femme, sa propre femme, pendant la nuit. Tu l'ignores. Et aussi, tu ignores ce que ça signifie lorsqu'un homme développe une érection. Lorsqu'un homme voudrait faire l'amour avec sa femme. Seule une femme comprend le secret et la délicatesse d'un mariage. Je me trompe? Non. Crois-moi, tu n'as absolument rien. Tu n'as rien à foutre de comment est-ce que je me sens lorsque je te désire. Je désire ma propre femme. Du sexe. Durant un temps de week-end. Tu m'en as privé. Tu m'as repoussé. Tu t'en fous, tu t'inquiètes jamais pour moi. Tu m'as mis dans la merde. Tu m'as foutu dans un putain de pétrin que moi-même j'ai de la peine à comprendre. Tu m'as foutu dans la merde. Tu m'as fait que tu te rends. Oui, regarde-moi. Je compte sur moi-même. Mais c'est quand? Tu peux me servir? Dans la vie. Tu n'as pas entendu les bruits et les cris qui se passent là-bas dans la maison. On dirait un chaos total. Tu dis quoi? Il n'y a pilé. Qui pilé? Réfosse. Hey, non. On y a poum poum le portier. Moi, je te dis, faut faire attention. On y a poum poum le portier n'a pas le temps pour les petits cris comme ça. C'est cri. Tu appelles Rufos, parce que le portier. Je suis portier, ça me concerne en quoi?
Donc c'est maintenant moi qui dois séparer la bagarre de Doga, si bagarre, si hein? Tout ce qui va se passer, je ne vais pas les séparer. S'ils font le bruit là, je ne vais pas les séparer. Qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Attends, laisse-moi te dire quelque chose. Et écoute-moi bien. C'est comme si tu deviens déjà trop à l'aise dans cette concession. C'est là, hein? Laisse-moi te rassurer. Laisse-moi te mettre en garde. Écoute, c'est comme si quelque chose te ronge quelque part, je ne sais pas. Quelque chose te ronge quelque part, je ne sais pas. Surtout dans ton pantalon, jusqu'à tu écoutes derrière les trucs des pillages, des pilements, quelques abattements. C'est un coup de pilon, de c'est un gémissement comme les. Rufus. Rufus quoi? Je dis ce que toi tu dis tu. Ouais, écoute-moi bien, ce qui te dérange là, je ne suis pas avec toi. Ce que tu craignes qui pendouille partout là-bas, je ne suis pas avec toi. On est pour le portier. Je rentre me coucher. Oh. Pardon. Rufus, tu vas dire que tu ne vas rien faire. Rufus. Mais Rufus. Attends, saute. Dégage d'ici, qu'est-ce qui t'arrive? Quelqu'un va mourir dans cette maison. Je te coupe la chandelle. Je vais te donner un coup de poing. Je vais te reposer cette question. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis là pour protéger quelqu'un. Protéger quelqu'un? Je pensais que tu étais un ange, non une pauvre fantôme. Surveille ton langage. Ne m'insulte pas. Je ne t'ai pas insulté. En pensant, je pensais que tu haïssais sa mère. Et comment tu la protèges? Ce ne sont pas tes affaires. Oh.
fatiguée, je n'ai pas assez de force. Ouais, ouais. Non, non, t'inquiète, t'inquiète pas, d'accord. Je vais faire rien. Je vais faire au bout du nez. Alors laisse, laisse, je prends ce temps, d'accord. S'il te plaît, je veux que tu me laisses tranquille. Laisse-moi tranquille. S'il te plaît, je veux que tu me laisses tranquille. S'il te plaît. Laisse-moi tranquille. Je suis fatiguée. Soyez la bienvenue, docteur. Merci. Bien, je suis là pour finir mon travail. J'ai quelques messages pour votre mari. Est-ce qu'il est là? Oh oui, il n'est pas loin parce qu'il vient juste de se lever là. Je pense qu'il est quelque part. Bien, madame. Ma peur est que... Bien, madame. Vous devez voir ça. Raymond? Docteur? Désolée. Ça ne peut pas être vrai. C'est exactement cela, madame. Nous allons refaire le test. Salut, oh, docteur. Monsieur. Oui, merci. Oui, comment vous allez? Oui. Que se passe-t-il ici? Oui. Oui. Bien, monsieur. Vous m'avez accompagné faire votre diagnostic et votre test il y a de cela 2 semaines. Oui, 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 oui. C'est une requête de ma femme. Et aussi votre test psychologique et sérologique que vous avez effectué. Nous avons vos résultats finaux qui montrent que vous avez un déséquilibre mental qui contrôle vos humeurs et votre vie sexuelle, qui peuvent être dangereux pour vos spermatozoïdes, pour votre famille et pour les gens qui sont autour de vous. Monsieur, nous avons trouvé dans votre test ce que vous avez. Oui. Peut-être, elle a déjà les... Elle connaît déjà les résultats de j'ai test. J'ai peur, monsieur. D'accord, j'ai vraiment peur, monsieur. Ouais. Pardon, vous avez peur de quoi? Nous avons trouvé dans votre test que vous êtes séropositif. Je le savais! Je le savais, moi, je savais que tu étais infectée. Sûrement, tu m'as contaminée. Calme-toi. Laisse-moi. Calme-toi. Tu m'as contaminé. Tu m'as fait ça à moi. Qu'est-ce que je vais devenir? Tu m'as arrêté, qu'est-ce que tu fais croire que je suis malade, putain? Calme-toi, chérie. Mais c'est quoi ces conneries, hein? Ça va, chérie, je suis vraiment désolée. C'est pas bébé. Écoute. Non, laisse-moi. Bébé. Bébé, laisse-moi tout te raconter, bébé, s'il te plaît. Laisse-moi tout te raconter. Il faut que tu me racontes. Okay. Toi, dégage! Monsieur, ce sont les résultats. Jenny, tu sais? Jenny, il faut que tu dises à ta soeur. Et tu sais que des fois, les transfusions de sang peuvent mal tourner. S'il te plaît. Parle à ta soeur, s'il te plaît. Jenny, s'il te plaît. Non, j'en ai terminé avec toi. Non, va au diable, Raymond, va-t'en. Laisse-moi. On est bon, bon, le portier. Seigneur Jésus. Hein? Monsieur Raymond a déjà le sida. Ta part est finie, oh. Seigneur Jésus. On dit que ne fais pas ça n'importe comment. Toi, tu es là, ici, là, tu pars. Voilà ça que tu es parti porter le sida. Hein? Aujourd'hui, tu vas prendre celle-ci. Hein? Cynthia, Neka, Nkechi, Silva.
de Silva à Glory. Glory de Glubani. Rogné poum poum le portier. Vraiment déjà le sida et VIH. Oga Manu Doka avec le sida. Hey, VIH, sida. D'ailleurs, ça ne me concerne pas. Hein? Ça ne me concerne pas. Hein? Depuis que je suis là, moi, je ne fais rien. Je porte ma nourriture, je pars. J'ai le sida. Je n'ai pas le sida. C'est qu'elle a le receveur là. Reste là où tu es là-haut. On y est pour le portier. Et me tiens, à gagner qu'on est pour la boire. Hey, la chose de mes enfants, je garde ça là. C'est moi qui ai ça. Ça reste là. Jusqu'à ce que le bon moment arrive pour faire. Moi, je ne vais pas aller faire pour que ça sorte. Et puis attraper le sida comme au gars Raymond. Ça peut être fini. Hey! Quand il fait le truc, ça me rappelle quand il faisait la boxe au village. Hein? On y est pour le portier. Ben a choco, ben choco, choco, ne poico. Et jorobo. On y est pour le portier. Et na Bennett, boss. On dirait que tu n'auras plus besoin de Fina et Tina. Pourquoi est-ce que vous dites ça, boss? Tina et Fina sont les meilleurs. Je vois que nous avons dans cette génération. Pour un fiasco, on ne peut pas vous en débarrasser. Bennett, boss, pourquoi es-tu allé, gosse? On fait du fric, bien sûr. Alors, fixe tes priorités et mets tes sentiments de côté. Nous avons un nouveau partenariat avec un label en Angleterre. Et en ce moment, ils ont besoin d'une chanteuse du terroir. Qu'en est-il de Tina et Fina? Bennett. Boss. Es-tu fatigué de ce business? Non, du tout. Alors utilise ta tête. Tu es sommé de lancer une annonce de recherche de nouveaux chanteurs et de vocalistes. Nous n'avons qu'un seul mois pour vendre l'image du label. Est-ce que je me suis fait comprendre? C'est compris. Mais qu'en est-il de Tina et Fina? Mais pourquoi pose? Juste exactement ce que je t'ai demandé de faire. Mais pose, moi, défonce le pied. Que puis-je faire pour vous, maître? J'ai besoin d'une augmentation. Vous ne pouvez pas être assis sur ce gâteau tout seul. J'ai besoin de plus d'argent. Vous voulez plus d'argent. Mec, je commence à croire que vous êtes plus gourmand que ce que je croyais. Tout le monde est gourmand quand il s'agit d'argent. Pas dans votre cas. Pourtant, ce que vous avez fait ne m'a pas rapporté qu'à moi. Mais vous voici à nouveau demandant encore presque tout. N'exagérez pas. Alors? Écoutez-moi, maître. Les compagnies d'édiquées étaient déjà en train de tomber en faillite. Certaines d'entre elles ont même été vendues. Quoi? Namdé? Oui. Le reste fait partie de mon héritage. Et mon cher maître, les choses sont claires maintenant. Ça doit être une mauvaise blague. Est-ce que je ressemble à une sorte de blagueur, maître? Ai-je le profil de quelqu'un qui a l'air de blaguer?
Bébé, s'il te plaît, prends ça calmement. C'est juste des spéculations du docteur. Ça veut que tout ce bordel. Qu'as-tu dit à ma... Raymond, je risque ma carrière, mon travail. Merci beaucoup. J'apprécie. Raymond, oui? Je risque ma carrière, mon travail. Mais pourquoi est-ce que tu t'inquiètes? C'est ce que les gens font pour faire exploser leur carrière. Il faut les protéger. Raymond, j'ai peur. Tu n'as pas besoin d'avoir peur. Tout ce que tu viens de faire, c'est juste l'avoir écrit négatif sur le papier qu'elle a vu. Alors, elle ne reviendra plus jamais. D'accord. Pourquoi tu ne pourrais pas l'acheter? Elle va mordre à la maison. Va le jouer. Avec que je pourrais sonner toi. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Doucement. Oui. C'est tout? Pardon? Est-ce que c'est tout? C'est quoi cette question? Je ne comprends pas. Écoute, c'est juste de ne pas y penser. Je sais. Comment est-ce qu'elle vivra? Je m'en occuperai. Quoi? Tu as le Bahamas aux USA. Oh, peut-être tu as le Raymond, doucement. Et à propos de nous? Pardon? À propos de nous? Non? Oui, non! Ah ouais. Je sais, bien sûr. J'ai même pensé à nous. Fais simplement me dire calme, dis-moi. Tu sais très bien que c'est une situation compliquée, est-ce que tu sais? Excuse-moi, juste quelqu'un. D'accord, tu n'étais pas pour la provocation, voilà, c'est tout. Pourquoi pour moi, c'est... Raymond. Oui? Raymond. Oui. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Viens là. C'est quoi le problème? Raymond, c'est parce que c'est toi. Mais tu sais que je l'ai fait parce que... Bon, pourquoi vous faites ça, docteur? Je sais que tu l'as fait à cause de moi. Oh, ça va, laisse-moi tranquille. Que se passe-t-il ici? Il a besoin de plus d'argent. Ne m'insulte pas, Nancy. Je suis venu ici prendre ma part. Ta part? Mais de quoi es-tu en train de parler? Tu as pourtant perçu de nous 2 millions de naira avant de commencer. C'est supposé être tout ce que je devais recevoir? Écoutez, monsieur patient, Ndidi, ou impatient, peu importe votre nom, regardez-moi très bien. Est-ce que je ressemble à quelqu'un qui cueille de l'argent en partie des arbres? Je vous ai déjà dit ceci. Vous ne recevrez plus jamais un naira, un kobo venant de nous. Vous ne recevrez plus quoi que ce soit venant de nous. Vous devrez être prêt à tout perdre. Oh non. Monsieur l'avocat, calmez-vous. Ne nous emballons pas, s'il vous plaît. Non, on a commencé tout ça ensemble, rappelle-toi. D'accord. J'ai encore ton numéro de compte. Demain, dès la première heure, je vais envoyer 1,5 million de naira dans ton compte. 1,5 million de naira? Oui. C'est 10 millions ou rien. Non. Pourquoi ne demandez-vous pas 100 millions? Bref, que vous demandez 100 millions, ou 10 millions, ou 1,5 million, que ce soit même un naira, vous ne recevrez rien du tout. Je vous l'ai dit et je vous le dirai pour la dernière fois. Nous ne vous donnons plus quoi que ce soit. Attendons voir. Avocat! Laisse-le partir! Regardez-le, mec, regardez-le! Laisse-le partir! Il vient juste de creuser sa tombe et je l'enterrerai effectivement. Je pense qu'on doit faire attention à ce monsieur qui joue la loi. Confiance. Je crois qu'il a assez des étoffes pour nous emmerder. Je sais quoi faire, fais-moi confiance. Ceci n'a aucun sens pour moi. Ça n'a pas. J'arrive pas à le croire. J'arrive pas. Je suis négative? Oh non. Peut-être c'est comme ça que Dieu l'a voulu. Laisse Dieu en dehors de cette affaire. Dieu n'est pas en labranteur, s'il te plaît. Hélène, tu devrais être fière d'être négative. Sérieusement, si j'avais été à ta place, j'aurais commencé à sauter de joie, maintenant la même. Oh oui, remercie Dieu, tu n'es pas moi. Ça, c'est mon affaire. Bon, d'accord. Alors, tu vas passer d'autres examens? Ça, c'est sûr.
Je ne suis toujours pas convaincue par ces résultats. Je ne le suis pas. Qu'allons-nous faire? Trouver la racine de ce problème. Ceci ne peut pas être la fin. Sérieusement, je suis toujours surprise. Je suis toujours surprise. C'est le moment le plus attendu. Oui. Je t'entends. Non, laisse-moi, je ne le ferai pas. Pourquoi? Tu es mienne. Tu seras mienne pour toujours. S'il te plaît, laisse-moi partir. Non. S'il te plaît. Mon Oga n'est pas un assassin. N'essaie pas de me dire que mon Oga a fait quelque chose. Peut-être qu'il voulait s'entraîner, c'est tout. Y'a quoi? Refuse, va ouvrir cette porte. Ouvre le portail. Refuse. Monsieur, ferme le portail. Ferme le portail. Ferme-le. Je n'ouvrirai pas le portail. Repose, c'est chaud. Tu es mort, repose. Je te tiens. Repose. Mais où est-elle passée? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Hein? Oga, lève ton pas à l'intérieur. Oga! Pourquoi tout ce mal m'arrive à moi? Pourquoi le monde fait ça? Rufus, qu'est-ce que c'est vraiment passé? Madame, Eboubé. Qui est Eboubé? Mais pourquoi, Eboubé? Rufus, parle-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Il vient de fermer la fille qu'Oga, la fille qui disait qu'Oga l'a kidnappée. Quoi? Qui l'a kidnappée, Udoka? Est-elle morte? Rufus. Madame, je ne sais pas.
Je ne sais pas où. Je ne sais pas, madame. Finalement, mon cœur est satisfait. Raymond a perdu le repos et la paix. Tout est fini. Non. Non. Comment? Calme-toi. Je ne sais même pas, tu es fatigué, ça ne passe pas. Bébé, s'il te plaît. Bébé, s'il te plaît. Bébé, écoute-moi. Bébé, calme-toi, s'il te plaît. Bébé, calme-toi, s'il te plaît. Hey, jeune demoiselle. Jeune demoiselle. Bonjour, madame. Que fais-tu ici? Excusez-moi, est-ce que c'est votre maison? Non, c'est la maison de ton père. Regarde-moi celle-ci. Je suis désolée, s'il vous plaît, ne vous fâchez pas. Je t'en prie, quitte ici et va garer ailleurs. S'il vous plaît, madame, j'ai très soif. J'ai besoin de l'eau à boire. L'eau à boire? Oui. Et c'est oui. Tout? Parce que moi, j'ai peur des filles comme toi. Tu pourrais être très dangereuse. S'il vous plaît, madame, j'aurais aussi besoin de l'eau pour prendre mon bain. S'il vous plaît, de l'eau pour prendre mon bain, s'il vous plaît. Je le savais. Tu as commencé par l'eau à boire. Maintenant, la liste est exhaustive. Je connais les filles de ton genre. S'il vous plaît, madame. S'il vous plaît, madame, aidez-moi. Incroyable, mais vrai. S'il vous plaît, madame, aidez-moi. J'ai besoin de l'aide, s'il vous plaît. Aidez-moi, madame, s'il vous plaît. Tu as tué mon mari. Toi, docteur. Madame, je peux vous expliquer. Tu as tué mon mari. Je peux vous expliquer. Quelle stupide explication veux-tu donner? Après tout ce que tu as fait. Hélène, s'il te plaît. Hélène, s'il te plaît. C'est bon, s'il te plaît. Juste calme-toi. N'oublie pas que tu es enceinte. Quoi? Vous êtes enceinte? Ça, c'est un miracle. Oui, je suis enceinte. Merci pour tout et pour ton faux diagnostic. J'aurais souhaité que Raymond soit là. Honnêtement, madame, je suis vraiment... Je suis désolée, je ne voulais pas détruire votre foyer. Ce sont les œuvres du diable. J'essayais juste d'être égoïste. Parce que je voulais aussi Raymond. Madame, c'est pour cela que j'ai fabriqué un faux diagnostic. Et aussi ton habilité de tomber enceinte. Je t'ai aussi injecté cette pilule de contraception. S'il te plaît, pardonne-moi. Ce sont les œuvres du diable. J'ai mal agi. Tu vois ces atrocités que tu as faites. Je vais me rassurer que tu as payé pour ça. Tu vas payer. Je suis désolée, madame. J'ai mal agi. S'il vous plaît, pardonnez-moi. S'il vous plaît. S'il te plaît, c'est bon. C'est bon. S'il vous plaît, madame. Ça va aller. Arrête, d'accord? Je suis là pour toi, d'accord? Arrête, s'il te plaît, je suis là pour toi, d'accord? Tu es sûr, Thomas, que le gouvernement des États-Unis a légalisé la prostitution? Hey! Regarde, je n'imagine pas, c'est ce que j'ai appris. Pas seulement ça. Il y a aussi que les hommes se marient avec les hommes. Hey! Et même les femmes, entre elles. Je sais pas ce que ça va donner. Oh, qu'à Dieu ne plaise. C'est une abomination. Non, oui, je ne peux jamais supporter ça. Hein? Que notre gouvernement n'accepte jamais une chose pareille. Toi. Et qu'en est-il de notre gouvernement?
ont-ils légalisé la prostitution? Ah, bien sûr, non. Celui-là est un vrai banquier. Au moins, les officiers de police se seront embêtés, mes filles et moi. J'avais déjà aimé ça. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. J'en ai terminé, madame. Comment vas-tu, jeune demoiselle? Merci, je vais bien. Merci, madame, pour votre hospitalité. Merci beaucoup. Vous m'avez sauvé la vie. Maintenant, je m'en vais maintenant. Attends. Udoka, ou quel que soit comment on t'appelle, tu es une belle et très vaillante jeune dame. Est-ce que ça te dit de joindre le reste des filles dans mon groupe, quoi? Elle est une jolie, belle, jeune demoiselle. Elle fera très bon marché pour nous. Vous voulez dire que je fasse partie des prostituées? Si c'est exactement ainsi que tu choisis de l'appeler, oui. Tu vois, mon ami, laisse-moi te dire quelque chose. T'as pas à t'inquiéter pour toi. Je te présenterai un tas de mecs qui ont de l'argent. Ils sont déjà mes clients, une fois, des clients spéciaux. Qui s'occupent bien de toi, qui te gâtent un peu et qui t'emmènent partout dans le monde où tu aimerais aller. Et tu sais quoi, cette façon dont tu es vêtue là, je ne souhaiterais plus te voir vêtue comme ces filles de la rue là, tu vois. Je me rassurerais de faire un pont pour te rendre plus riche. C'est exactement ce que j'avais à dire. Tu seras spécialement prise en charge et tu seras dans le groupe le plus spécial qui soit. Et un espace pour ton intimité. Ça l'est très tentant, mais est-ce que je ne peux pas faire quelque chose d'autre? Je peux préparer. Je peux. Mais voyons, il y a des filles qui sont faites pour ça, mais c'est pas en toi, tu vois. S'il vous plaît, madame. C'est, regardez, écoute-moi, allez, jolie beauté comme toi. Mais imagine-toi, je veux dire, mais voyons, de l'argent, regarde-toi, je vois de l'argent, regarde l'argent, la mère. Mais qu'est-ce qu'il va pas, elle? Je peux préparer, je peux être ménagée, je peux faire tout. Ceci est l'unique opportunité que nous avons actuellement qui offre tous les avantages possibles pour toi afin que tu profites bien de la vie. Pense-y. Ok. Elle est vraiment très intéressante. Elle pense d'abord qu'elle est quoi? Hein? Elle ne doit pas merder, elle ne doit pas casser la bouteille à tout moment, elle ne doit pas. En fait, elle n'est pas tombée entre mes mains. Elle n'est pas tombée entre mes mains. Regardez comment vous ridiculisez. Vous vous comportez comme si la prostitution était un travail de luxe. Vous me surprenez. Pour ta suivi, n'ouvre plus jamais ta sale bouche pour me parler n'importe comment. Tu es malade. C'est moi que tu parles comme ça. Tu es malade. Oh, tonto. Nina, calme-toi. Nina, calme-toi. Ce n'est pas de toi qu'elle parlait. Oh, elle se référait donc à qui? Tu te référais à qui? Tu veux qu'elle casse la bouteille sur ta tête, tu commences à voir tes masculines là maintenant. Dis-le. Je vais te refaire le portrait, je vais te briser les dents. Non. Est-ce que tu m'as entendu? Je n'aime même pas ton temps. Écoutez, vous deux, voir que maman vous a accouché en même temps. Vous allez là vous parler, c'est monter, c'est descendre, c'est monter. C'est. Regarde ce petit rat là. Et pourquoi est-ce que les filles vous bagarrez pour rien? Mais qu'est-ce qui se passe ici? Demandez-leur. Toi, tu es qui? Tu penses que tu es spécial? Pourquoi te traiter d'abord de façon spéciale? Pardon, garde bien haut. Je suis désolée, tu sais quoi? On appelle ça faveur. D'accord, la faveur dépasse tout effort. Ce n'est pas le qui peut, c'est le qui. Comment? Vraiment. À la maison. Vraiment. Toi, Udoka, peu importe comment on t'appelle, qu'il est un corrompu, je vais te dire quelque chose, écoute. Toi et moi, on entrera dans le même pantalon. Ah, si tu peux te construire, non. Écoute. Tu verras.
Désolée, est-ce une menace ou quoi? Oh, ma Bimi. Pardon, laisse ma soeur, laisse. Oh, Bimi, hein. Oh, Udoka, s'il te plaît, ne gère pas ces stupides filles, hein? Tout ça, ce sont des vanteries et de la jalousie. Écoute, elles ont toujours été comme ça, depuis que nous sommes venus ici. Fais juste ce que tu as fait et laisse le reste entre les mains de Dieu. Hein? Dieu? Oui, oui. Hey, quand même, toi, tu parles de Dieu. Depuis que tu as commencé ce business, tu as prié. Vous croyez là, hein? Un, deux, croix. Je marche un peu, je ne veux pas rester ici. Quelle pitié. Bêtise. J'ai vraiment pitié de vous. N'importe quoi. N'importe quoi. Les folles filles. C'est toi qui connais. Okay, chérie. Bye. Oh, ma mama. Tom, mon seul et unique Tom. Maman de maman. Maman, tu sais quoi, je sais pas ce que j'aurais fait sans toi. Où est Udoka? Je l'ai derrière moi. Bon après-midi, madame. Udoka, comment vas-tu? Je vais bien, madame. J'ai passé une journée de succès. Pas surprenant, tu es toute excitée. Merci. Udo, bébé, allez, donne-moi 5 là. Waouh, je suis fier de toi. Tu sais quoi? Elle est sortie avec un mec blanc aujourd'hui. Et deux de ses amis. Elle a fait avec eux pendant 3 heures. Je suis fier d'elle. Elle m'a vraiment impressionné. Bien, je suis heureuse que tout s'est bien passé. Mais j'espère qu'ils ont également impressionné tes poches. Tu vois ce que je veux dire? En tout cas, ils sont très gentils et puis ils m'ont surpris en m'offrant un chèque de 300 000 naira. Oh, 300 000 naira? Oui. Pour juste 3 heures de tchoukou-tchoukou. Exactement. Ils sont très gentils et amicables. Et ils m'ont demandé de venir 2 fois par semaine. Et ils m'ont promis d'ajouter mon argent. J'espère que tu vas pas tomber enceinte. Oh, je sais très bien comment prendre soin de moi. Regarde, écoute-moi. Maman veut dire que tu dois faire attention. Et moi, je vais veiller sur toi. Okay? D'accord, pas de problème. Je suis vraiment fière de toi. Merci, madame. Je suis fière. À tout à l'heure. D'accord. Je pense que j'ai déjà fait assez d'argent dans ce business. Et je suis très respectée partout où je vais. Je pense qu'il est temps que je commence à faire quelque chose de raisonnable avec ma vie. Écrire mes propres sons, rencontrer les gens qu'il faut. Tu vois, je crois que c'est exactement ce que je vais faire. Attends, je sais que c'est la bonne chose à faire. Parce que j'ai besoin de plus d'argent. Et tu sais, de continuer à garder cet argent dans la banque. Utiliser cet argent, tu sais, quitter cet endroit et louer mon propre appartement. Je pense que j'ai bien réfléchi. Je crois. J'espère. Et je ferai exactement ça. Taki. Taki now. Qui as-tu? C'est mort et coupé. Ça dit quoi non, Riforce? Tu es un traître. Traître, qu'est-ce que tu es venu faire ici, traître?
Regarde-toi. Qu'est-ce que tu es venu faire ici avec tes deux pieds gauches? Comme un ouvrier d'électricité de NEPA. Tu ressembles à un ouvrier de NEPA. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Rufo, c'est pas ça. Hein? C'est pas ça. Ne te fâche pas pour. Je trouve même que tu dois me remercier de t'avoir sauvé la vie. Oui, je t'assure. Sauvez ma vie, hein. Sauvez ma vie. Au gars qui prenait soin de moi, qui prenait soin de ma famille et moi, qui prenait soin de mon papa, ma maman, mon papa, tout le monde, il prenait bien soin de moi. Mais là, tu l'as tué. Tu es vraiment méchant. Tu es vraiment méchant. Je suis désolé pour tout ce qui t'est arrivé. Je suis désolé de la mort de ton gars. Cette fille avait besoin d'aide. Crois-moi, elle avait besoin d'aide. Elle a été abusée, méprisée, on l'a traitée comme une chienne, à l'intérieur de ta maison, à l'intérieur, devant tes yeux, Rufus. Ah, crois-moi, ton gars là, il est très méchant. Qui sait, peut-être qu'il allait te tuer toi-même. Qu'est-ce que tu es venu chercher dans la maison d'un monstre? Qu'est-ce que tu es venu faire dans la maison d'un monstre? Rufus, je n'ai pas voulu te blesser. C'est vraiment méchant. C'est vraiment méchant. Qu'est-ce que tu es venu faire dans la maison d'un monstre? Hein? Laisse-moi te donner l'information. Toute la nourriture que tu mangeais, le sommeil, là tu dormais, tout ça est fini, on gars est mort. Je sais. Ça ne saurait être un problème. C'est l'ombre de mes soucis. Moi, je suis un enfant de la rue. Je suis vivré. Je suis là par rapport à la fille, la Odoka, elle était revenue ici ou bien. Ah! N'a pas pris l'Odoka ici! Tu parles d'Odoka, une femme pour qui tu as tué un homme. Tu n'as pas cru que quelqu'un est mort. Tu parles d'Odoka. Méchant boy! Oui, Fon, je suis très sérieux. Je veux savoir si cette fille est revenue ici. Dis-moi, est-elle à l'intérieur? S'il te plaît. C'est ta mère que tu cherches. Quand on parle de quelque chose, tu parles de la fille. La fille est sortie chercher quelqu'un qui te dépasse. C'est quelqu'un qui a la chance. Ça, c'est le genre de fille que dès que tu lui donnes une opportunité, elle saisit l'opportunité. Elle suit son instinct. Elle part. Elle marche. Elle part. Ailleurs, si tu veux. Là, tu ne connais pas. Une fille maligne. Toi, tu es là, tu dis, tu l'as vu. Elle est partie. Regarde-toi. Tu es vraiment bête. Tu viens de jeter tout mon soir. Ce soir en brousse. Tout mon soir vient de s'écrouler. Tout mon oyempopo vient de finir. Le seul pompo, le pauvre pompo que j'étais. Tu viens de me finir. Maintenant, je suis sans pompo. Vraiment sans pompo. Il faut, s'il te plaît. C'est ta mère que tu cherches. Udoka. Qui es-tu et que veux-tu de moi? N'essaye même pas de t'enfuir. Et qui es-tu et comment est-ce que tu connais mon nom? Il est temps que tu arrêtes de courir, Udoka, et que tu retournes à la maison. Il est temps que tu arrêtes cette folie. Et je ne comprends pas de quoi tu parles. Ici, c'est ma maison. Et je n'ai plus une autre ailleurs. Je suis une amie à ton père. On devait se marier. Afin que ta mère Odoko ne vienne et ne me l'arrache. Après beaucoup de frustrations et d'épreuves, j'ai perdu la vie. Après m'être battu à faire revenir mon amour. Je ne comprends pas toujours de quoi tu parles. Je n'ai pas une autre maison. Arrête de me mentir et laisse-moi tranquille. Tu es dans le mauvais chemin, Doka. Tu es en train de creuser ta propre tombe. Combien de mois vas-tu encore faire cela avant que tu ne réalises qui tu es, que tu accomplisses ton destin? Oh Dieu, je ne te comprends pas. Et si tu ne te sens pas à l'aise avec mon style de vie, alors donne-moi une autre option. Udoka. Laisse-moi tranquille. Oui. C'est Félix. Je vous ai envoyé mon mot de passe.
et une somme de 2 millions de naira ont été transférées directement dans votre compte. Bien sûr. Non, 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 mais dites pas ça. Écoutez. Quoi? Quoi? Que ça coûte encore 5 millions? Ça, c'est de l'escroquerie pure. Vous êtes escroc. Je vais vous dire, oubliez tout ce qui s'est passé. Oubliez tout ce qui s'est passé. Laissez tomber, je chercherai un autre agent qui m'aidera à régler tout ceci. Écoutez, et pour mon agent, moi Félix, aux ordres. Vous ne savez pas ce qui vous attend. Je vous conseille de garder votre maison avec des chiens. Parce que je vais vous chercher. N'importe quoi, tu sauras qui est Félix. Insensé. Stumbling block is the stepping stone to my glory. All my shame will lead me to my fame. Yeah. Every stumbling block is the stepping stone to my glory. Yeah. All my shame will lead me to my fame. Yeah. Bébé, tu es revenu? Permets-moi d'aller prendre mon sac dans la chambre, je reviens vite. Ok, y'a pas de problème. Donne-moi une minute. Écoute, je ne peux plus me permettre de rester encore une minute loin de toi. Loin de toi. Ah, dépêche-toi, s'il te plaît. Où penses-tu aller comme ça? Pas encore. S'il te plaît, je ne veux pas qu'on se querelle. Je te quitte pour de bon. Oui, ta méchanceté, ton mépris est un acte abominable que tu poses. Oui, tu restes seul. Penses-tu vraiment qu'après tout ce que nous avons fait ensemble, après tout ce que tu sais à propos de moi, tu peux vraiment me tourner le dos?
Je n'ai rien fait avec toi. Tu n'es qu'un méchant perverti. Je te laisse. Et tu as qu'à perdre ton argent, ce dont tu penses. Oh, okay. Allons-y. Tu es en train de partir? Oui. Oui, un pas pour deux pas en haut. Ok. Mais après tes enfants, pas. Viens prendre tes enfants, pas. Tu as raison, je vais prendre tes enfants, pas, méchant homme. C'est quoi? Qu'est-ce que tu comptes faire avec ce truc? Vas-y. Oh, ne me tue pas. Oui, je suis qui fille simple, je suis qui fille ordinaire. S'il te plaît, oh, je m'en vais. Tu avais raison. Oh, pardon, ne me fais pas disparaître. Je m'en vais. Oh, ne me punis pas. Regarde, je m'en vais. Regarde, je m'en vais. Oh, je pas, ne me tue pas. Ne me tue pas, s'il te plaît. Ne me tue pas, ne me tue pas. Ne me tue pas. Ah, regarde, ah, regarde. Qu'est-ce que ça va pas? Qu'est-ce qui te concerne ici? Est-ce là où tu es censé travailler? Ah, regarde, tu joues au truc ici. Hey, oh. Oh, gars. Oh, là, t'as dit, là. Je bouge mon bras. Comme ça, tu vas devenir fou. Tu vas commencer à faire comme si tu es devenu fou, hein? Ah, choqué. Ah, choqué. Ah, choqué. Ah, choqué. Oh, oh, gars. Oh, gars. J'ai peur de ramper ou... Hé, Chris, happy ou... Ça, c'est la encore toi? Toi, encore? Pas moi. Pourquoi?
Disons que vous ne me voyez pas. Est-ce que quelqu'un aurait vu Odoka aujourd'hui? Odoka, n'est-ce pas un nom de rat? Je vous ai posé une question. Répondez, idiote. Non. Je n'ai pas encore vu les pleurs. Je sens que les larmes ne coulent même pas. Mais où vas-tu comme ça, non? Rufus, nous disons au revoir au Nigeria. Embrasser au Nigeria? Comment tu peux embrasser au Nigeria? Tu peux embrasser au Nigeria? On quitte le Nigeria. Pour combien de temps? Pour combien de temps, non? Très longtemps, Rufus. Ça va vraiment durer. Et qu'en est-il de moi maintenant? En tant qu'on y a pompou le portier. Qu'en est-il de moi maintenant? Rufus, je veux que tu te trouves un autre job. Tu vois cette maison? Elle a été vendue. D'autres occupants arrivent. Alors allez, tu es un brave garçon. Trouve ton autre job. Ok? Je suis vraiment désolée, Rufus. Ta main. Prends soin de toi. On y a un pompon! Salut, Machi. Comment est-ce que tu me trouves? Maman, tu brilles. Maman, regarde. Je vais être une belle journée quand je vois ça. Oui, je le pressens déjà. Je suis très content d'être de retour à la maison, vraiment. Maman. Yeah. Tu vois, non, tes oncles là, non? C'était méchant. Et tout ce qu'ils ont eu là, ils l'ont mérité. C'est d'accord, je ne veux pas vraiment parler de ça, d'accord? Et nous allons commencer à recruter les nouveaux staffs domestiques très bientôt, d'accord? Okay, parce que nous avons besoin de nouvelles personnes, tu sais. Et à cause de tous ces problèmes qu'il y a eu, tu vois, donc franchement, mets-toi au travail et mets une plaque dehors la maison pour que les gens viennent déjà. Demander, d'accord? Au revoir. Maman, tu pries! Hey! Maman! À tout à l'heure. Maman! Allô? Et Boubé, comment tu vas? Oui, je vais bien, merci. Oui, j'ai tous les documents qui concernent les biens de mon père. Oui, j'ai maintenant tous ces documents avec moi.
Merci beaucoup pour tout ce que tu as fait pour moi. Ouais, d'accord. Je te verrai à ton tour, d'accord? Je t'aime aussi. Bye bye. Hey! Donc, c'est comme ça que ma part finit. Tout le pompo. Tout le pompo. Toutes les filles auxquelles j'ai fait le pompo. Je leur ai dit que mon gars allait bientôt mourir pour que je puisse hériter de ses propriétés. Oga est mort, il ne m'a rien laissé. Regardez maintenant madame. Madame est partie, elle est partie chez les Blancs. Au lieu de me prendre pour que je parte avec elle, au moins que je puisse l'aider à faire ce que la fille a fait. Ce qu'elle fait en sortant la langue comme ça. Ce qu'elle fait dans la chambre. Moi, je peux faire le travail là parfaitement, non? Je peux bien faire ça, madame. Pourquoi tu ne m'as pas amené avec toi? Le travail où vous servez de vos langues, vous sortez ça de vos bouches, vous faites le truc là. Là. Je peux faire ça parfaitement. Je peux même lécher, lécher. Ah, là, hey. Voilà maintenant que c'est Boubeki qui a tout pris. Un salopard que j'ai aidé. Un salaud que j'ai aidé. Et Boubé. Et Boubé. Et Boubé. Regarde ce que tu as fait de ma vie. Regarde maintenant ma vie. Ma vie, c'est la vie. En fait, je suis sans vie. Hein? Où est mon ogné poum poum, non? Où est mon ogné poum poum? Ah, ogné poum poum! Ma part vient de finir. Oh. Madame, il fallait même m'amener aussi avec moi. Il fallait aussi m'amener avec moi. Juste. Même si elle venait seulement pour t'aider à faire ce que la fille là te faisait. Elle léchait, elle faisait les.